Maman, je n'aime pas ce saumon, il a un goût bizarre. C'est vrai qu'il n'est pas comme d'habitude ce saumon fumé. Bernard, tu l'as acheté où? Il y avait une promo sur le saumon. Une super affaire. En France, nous sommes de grands consommateurs de saumon fumé. Pour bien le choisir avant d'acheter, commencez par regarder son aspect. Il faut être vigilant à l'uniformité de sa couleur. Pas forcément à la couleur en elle-même, mais il faut que la couleur soit bien uniforme et que ce saumon ne présente pas de taches brunes. Lorsque vous choisissez votre saumon, vous devez veiller à bien lire l'étiquette. Si ça provient d'un élevage ou si c'est un saumon sauvage. Vérifiez aussi le lieu de transformation du saumon. En France, de préférence, c'est surtout la mention « ne pas recongeler ». La mention « ne pas recongeler » est importante parce qu'il ne faut pas recongeler un produit qui a déjà subi une congélation. Vous pouvez également trouver différents labels sur l'emballage. Le saumon biologique qui vient exclusivement de l'élevage puisque la certification biologique ne porte que sur les conditions d'élevage du saumon. Il peut y avoir aussi un label MSC qui correspond à une pêche durable, qui protège l'environnement. Vous avez aussi le label rouge qui, lui, est plus une question de saveur. D'autres mentions assurent la qualité de votre saumon fumé. Il faut qu'il soit de préférence tranché à la main, qu'il y ait un salage qui soit fait au sel sec, parce que l'autre possibilité est un salage à la saumure, ce qui va incorporer de l'eau et donc gorger le saumon d'eau, ce qui est plutôt à éviter. Enfin, vous pouvez trouver la mention « fumage au feu de bois ». L'essence du bois peut donner un goût particulier au saumon, mais c'est surtout une transparence de l'information qui est toujours bien de prendre. Lorsque vous achetez du saumon, choisissez de préférence un saumon salé au sel sec et non pas à la saumure. Regardez toujours sur l'emballage si le saumon a été congelé ou pas. Et enfin, achetez de préférence un saumon avec une chair de couleur uniforme. Alors Bernard, elle était comment la petite vendeuse qui t'a fait la promotion sur le saumon ?